Bon, Ryan, on a eu une véritable démonstration des Jumbo. C'était une course pas facile. Ouais, ça a été facile. Ouais. Ils ont été très forts. J'étais pas très bien placé en bas de la bosse et je suis revenu me replacer aux alentours d'Adam Yates et Quintana, mais le trou était déjà fait, il y avait déjà la cassure. Et j'étais pas sûr de moi à essayer de boucher le trou et du coup voilà, je suis resté là et bah, ils ont été très forts, super forts. Aujourd'hui tout le monde attend les bordures. Les dernières bordures qu'on a vues c'était Tour de la Provence, vous aviez été extrêmement malchanceux. On va corriger ça un peu aujourd'hui. Oui, bah après là quand c'est la malchance, c'était un problème mécanique, c'est comme ça, ça fait partie du vélo. Après, ouais, il va y avoir du vent de côté toute la journée, il va falloir être attentif. Ça va être très nerveux. J'imagine qu'il va aussi y avoir des chutes. Ça va souvent avec. Et voilà, il faudra faire très attention et rester le plus devant possible. C'est quelque chose que vous aimez, ces conditions extrêmement nerveuses, extrêmement difficiles ou pas trop? C'est quelque chose qui me dérange pas trop. C'est... Après voilà, il faut réussir à garder la concentration toute la journée. Et... En tout cas, je vais tout faire pour. Hier, on attendait Fabio Jakobsen, évidemment. Finalement, ils ont été piégés, ils ont été lâchés même. Vous pensez qu'aujourd'hui, ils vont vouloir avoir leur revanche sur un terrain qui est vraiment celui où on les attend? C'est sûr que c'est un terrain qui leur est beaucoup plus favorable. Et je pense qu'ils vont avoir à cœur de faire une belle étape. Donc voilà, ça sera à nous d'être vigilants, attentifs et avoir de la réussite. Merci, bonne chance.